L'amphithéâtre de Nîmes, c'est un bon exemple du degré de perfectionnement ultime de l'amphithéâtre. Car à partir de la période à laquelle il est réalisé, en tant qu'héritier du Colisée de Rome, c'est la plus belle formule que l'on puisse avoir. C'est-à-dire le monument dit à structure creuse, c'est-à-dire fait de murs rayonnants et de voûtes, sous lesquels se disposent des galeries et des escaliers très savants, qui permettent une belle répartition du public. Donc tout cela, c'est un héritage de monuments qui l'ont précédé. Par la suite, il se dote d'un sous-sol, donc il a aussi tous les perfectionnements techniques qui peuvent être issus d'autres expériences. Il hérite de tout cela, et il n'y a rien de mieux à faire. Quand on est là, au degré de perfectionnement de cet édifice, on est au point d'avancement maximum de la technique et de l'esthétique de ce type de monument. Il n'y a rien de mieux par la suite.